mon sentiment d'appartenance est moins là. J'avais comme pas de repère. Ben, j'ai décidé de fermer tout ça. Ça a été une grosse décision parce que j'étais rendue BMA, bâtisseur de marché associé. J'avais beaucoup de clients de VIP. J'avais quand même bâti quelque chose. J'avais gagné le voyage à Las Vegas. Tout ça. Mais il me manquait quelque chose qui était le plus important pour moi dans le marketing relationnel, de bien m'entourer, puis justement de bâtir des relations, puis de partenir à une équipe. Donc, j'ai décidé de fermer tout ça et j'ai reparti. J'avais rencontré Josiane par la bande, par Monat. On s'est rencontrés grâce à Monat. Ça fait que Monat nous fait faire des très belles rencontres. Puis, je jasais beaucoup avec elle, tout ça. Puis, je savais qu'elle avait créé beaucoup d'outils, tout ça. Bon. Fait que j'ai décidé de fermer mon compte puis de réouvrir mon compte en le 1er juillet dernier avec Mademoiselle Monat. Là, tu sais, quand on dit que d'être bien entouré puis de sentir la vibe, d'avoir les outils qu'il faut, ça fait toute la différence. On est quoi aujourd'hui? Là? Je suis un peu, mais on est sûr, on est jeudi, hein? Le 23 juillet. Fait que 3 semaines plus tard, j'ai atteint le même niveau que j'avais atteint dans mon ancienne business, si on veut. Fait que je suis bâtisseur de marché associé. J'ai 3 blocs de compléter dans mon départ intelligent. Je suis en feu. J'ai 1 million d'idées. Je parle avec les filles sur les groupes Messenger qu'on a. Tout le monde s'entraide. Je ne les connais pas encore. Il y a juste Josiane. Là, je parle du groupe Messenger sur lequel on discute. Il y a juste Josiane que je connais dans ce groupe-là. Et je les aime déjà toutes. J'ai déjà hâte de les rencontrer en vrai. Je le sais que quand j'ai une question, quand il y a quelque chose qui ne marche pas, je vais poser ma question. Bon. Fait que c'est vraiment ça le plus important, c'est vraiment de bien s'entourer puis d'aller vers des personnes qui nous ressemblent puis qui ont la même vision que nous. Moi, c'est sûr que là, je suis intense dans la vie, okay, en général. Fait que là, je suis intense là-dedans, c'est sûr. J'adore ça, j'adore les produits, je les utilise tout le temps. Là, je suis en camping. Là, on a fini ça à l'hôtel parce qu'on s'est payé ça pour finir ça, mais j'étais en camping puis j'avais toutes mes affaires. Là. Ça me prenait ça. Mais, de Monat, là, je parle. Mais, c'est ça. Fait que là, je suis partie en grand là-dedans. Puis, mes objectifs sont gros. T'sais, mes objectifs sont gros, puis je le sais qu'avec l'équipe qui m'accompagne, je sais que je vais y arriver. Je ne sais pas quand, parce qu'on ne contrôle pas tout dans la vie, mais je sais que je vais y arriver. Puis, c'est ça, mon why à moi, il y en a beaucoup que notre why est tout différent. Notre pourquoi? Il y en a que c'est pour rester à la maison avec les enfants. Il y en a que c'est pour vraiment travailler exclusivement de la maison, pour faire de l'argent supplémentaire. Oui, moi, financièrement, c'est sûr, faire de l'argent supplémentaire, personne ne crache là-dessus. Mais mon gros why à moi, c'est vraiment l'accomplissement personnel, puis de me retrouver en tant que femme, puis en tant qu'entrepreneur, parce que j'ai eu le syndrome d'imposteur longtemps, puis là, bien, je ne l'ai plus vraiment. Là, je me sens sur mon X, je me sens à ma place, je sens que moi aussi, j'ai le droit, je suis une entrepreneur. Oui, je suis une maman, j'ai 2 adolescents, 15 ans, 13 ans, je suis belle maman d'une grande fille de 20 ans, j'ai un chum, un futur mari. Je suis une femme amoureuse, j'ai une vie de couple, j'ai une vie professionnelle bien remplie, j'ai une vie sociale bien remplie, mais j'ai le temps pour ça parce que je le veux bien et parce que ça me passionne. Donc, le secret, c'est vraiment de bien s'entourer parce que au-delà du fait qu'avant, j'avais bâti quelque chose de quand même gros, il me manquait ce fameux concept relationnel-là puis de travail d'équipe. Donc, est-ce que ça, j'ai-tu fait le tour de qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Mais écoute, c'était super bon. Honnêtement, merci beaucoup. Mais ça, merci, Jen, de ton partage. Je vais juste rajouter quelque chose ici. Parce que toi, tu as pris la décision de faire ça. C'est pas dans l'obligation de fermer son compte. On peut très bien s'entourer avec des gens comme tout ici sur la pierre. On est toutes là. Mm-hmm. On peut très bien s'entourer tout le monde ensemble sans fermer son compte. Ça a été ta décision personnelle pour ton cheminement. Mais tu sais qu'on était là pour toi quand même, donc tu sais, faut pas penser qu'on doit fermer son compte pour repartir puis avoir une réussite. On peut avoir une réussite partout où on est,
J'en suis la preuve. Moi-même, j'ai une réussite, puis j'adore ma réussite parce qu'elle m'appartient. Puis j'ai pas eu à fermer mon compte et à partir ailleurs. Vraiment, c'est vraiment important que cet aspect-là là, soit bien compris. Je voulais juste faire une petite parenthèse. Oui, absolument, Josiane, tu as vraiment raison parce que moi, c'est la décision que j'ai prise, puis ça a été une grosse décision. Mais quand on. Parce que là, je vois qu'on est plein de gens de plein d'équipes différentes, puis c'est ça que je trouve génial parce que c'est là qu'on voit qu'on peut travailler tout le monde ensemble parce que tout le monde, on a le même. Grosso modo, notre objectif est le même. Hein. On veut que ça fonctionne, on veut que nos business personnels fonctionnent, mais on a du plaisir à voir les business des autres. Quand ça marche aussi. Moi, quand je vois une fille qui a une réussite, je suis contente autant que si c'était moi. C'est ça. Fait que oui, c'est de bien s'entourer. Puis moi, c'était mon parcours à moi qui est un peu qui est un peu hors norme, là, je dirais. Là. Mais effectivement, comme Josiane dit, c'est loin d'être une obligation de faire comme moi j'ai fait. Moi, j'ai pris cette décision-là, je ne le regrette pas. Par contre, le secret, c'est vraiment de bien s'entourer. Alors, ben merci, merci beaucoup. C'est vraiment génial. Puis, ben c'est ça, dans le fond, que je voulais souligner tantôt quand je suis venue pour parler, puis j'ai laissé Geneviève parler, c'est que c'est ça la beauté de la chose. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Joanie? Sur le chat, on demande si l'appel est enregistré. Oui, donc, oui, c'est enregistré. Il y a eu un bug au début, il manque la première partie, mais c'était juste les annonces. Fait que c'est pas. J'ai gravé Geneviève. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Oui, c'est ça, la beauté de la chose, Geneviève l'a bien dit, c'est les relations. Puis, en cours de route, quand on est vraiment passionné, puis qu'on rencontre des gens passionnés comme nous, on fait des belles découvertes. Puis, c'est un peu, dans le fond, ce qui a amené à ce que nous trois, on fasse l'événement ensemble ce soir, Josiane, Nadaille et moi. On n'est ni une ni l'autre dans la même équipe. On n'a pas rapport ensemble si on veut, mais on s'aime beaucoup. Puis, ça nous fait plaisir de partager des moments comme ça, puis de mélanger notre monde pour s'inspirer mutuellement parce qu'on se voit pas tout le temps. Puis, il y a toujours des belles histoires qu'on a avantage à entendre d'un côté comme de l'autre. Donc, c'est ça, quand on dit les relations, c'est important, mais ça l'est. Donc, si on veut poursuivre, je vais retourner à mon PowerPoint. Notre belle présentation. On va passer au témoignage suivant, qui est la belle Stéphanie Sans Chagrin. Si tu veux te démuter, tu nous feras signe si tu as un problème. Dis-moi quand tu y arrives. Est-ce que tu es là? Est-ce que ça fonctionne? Bon. Oui, ça fonctionne. On t'entend. Je vais te laisser la parole. Merci. Alors, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom, c'est Stéphanie. Dans un mois, je vais avoir 42 ans. Et puis, Madaille, dans le fond, elle m'a demandé aujourd'hui de faire un témoignage pour parler de mon parcours à moi avec Mona. Moi, ça a commencé il y a 2 ans. Dans le fond, c'est pour mes 40 ans là, que j'ai comme choisi là, de me faire plaisir, de me faire un cadeau. Pour me décrire, dans le fond, je suis une maman monoparentale d'une grande famille, si je peux dire. J'ai été 16 ans en couple et de ces 16 années, j'ai eu 5 enfants. Ben, nous avons eu 5 enfants. Alors, j'ai un grand de 16 ans, un de 14, un de 12 et des jumeaux, un couple de 9 ans. Donc, ça a été ma première fille. Ensuite, moi, de métier, je suis éducatrice spécialisée, mais il y a 10 ans, j'ai cessé de travailler dans le fond dans les écoles et les centres jeunesse pour être famille d'accueil. Et présentement chez moi, j'ai 3 petites filles, 3 enfants de cœur, là, que je peux dire. C'est mes filles à moi, je les ai temps plein avec moi. Donc, une semaine sur deux, j'ai 8 enfants. Et l'autre semaine, j'ai 3 enfants avec moi. Donc, ça, c'est ma grande famille à moi. Et là, j'étais une maman. Puis, je m'étais, on peut dire, laissée aller, si on veut. Puis là, mes 40 ans, je perdais mes cheveux là, par poignée. Puis, je commençais à être clairsemée, là, même sur le dessus de la tête. Là. C'était pas juste les tempes, tu sais, là. Puis là, je voyais ma mère qui, elle, était... très clairsemé, tout ça. Puis là, je me dirigeais lentement vers ça. Puis là, j'ai comme fait « wow! » Puis là,
c'est là où est-ce que les produits, puis ça, puis là, j'ai commencé à questionner, puis dire, est-ce qu'il y aurait quelque chose pour moi, est-ce que je pourrais essayer? Puis là, j'ai pris la trousse, c'était le Intense Repair. Puis là, j'ai acheté aussi la gamme junior, parce que là, évidemment, fallait penser aux enfants aussi. Et puis là, moi, déjà, là, j'ai pas eu de période là, de transition, de, tu sais, ça a comme fait effet, là, rapidement. J'ai acheté ensuite le black. Je me suis fait voler là, pour mes garçons, pis tout ça, qui ont commencé à prendre les shampoings, pis tout ça. Là, ensuite, j'ai essayé les masques. Ça aussi, ça a été un autre succès. Le Rejuvabed, ça, c'est mon préféré. Je l'utilise pratiquement à tous les jours. Moi, ma fille, elle a les cheveux là, aux fesses, là, puis elle sort de sa douche, puis là, elle vient me voir dans le salon avec le air dry pour que je mette dans les cheveux, mon démêlant, puis de, tu sais, là, je veux dire, j'ai vraiment une mini-moi maintenant là, qui utilise tous mes produits. Moi, là, j'ai commencé, là, j'en ai offert à ma mère pour sa fête, j'en ai offert d'autres à Noël. Je mettais des produits là, pour enfants dans le bon Noël des enfants. Je regrette vraiment de ne pas avoir pris des photos de ma mère au départ, là, avant qu'elle commence à utiliser les produits, parce que j'aurais eu un super là, avant-après, là, mais on va fouiller là, dans des vieux albums, là, des fois, voir s'il y aurait possibilité là, de trouver quelque chose. Mais maintenant, ma mère est une adepte aussi de Mona. Donc, c'est ça. Pendant au moins 2 ans de temps, j'ai été VIP. Puis là, quand que la gamme pour le visage est sortie, ça a été un autre... wow, pour moi, là, j'étais du genre à utiliser seulement là, la barre de savon des fois ou juste laver avec une barbouillette là, mon visage. Maintenant, j'avais commencé avec la crème hydratante et maintenant, je les ai tous. J'ai ma routine matin et soir là, où est-ce que je prends là, tous les produits. Puis ça, c'est quelque chose que j'avais jamais fait là, de ma vie. Là. Puis maintenant, c'est quelque chose que je ne peux plus m'en passer. Et puis là, ben, c'est ça. Il y a une journée où là, on m'a dit... est-ce que ça te tenterait de devenir une partenaire de marché? Puis là, sur le coup, j'ai fait comme, ben je sais pas. Puis là, j'étais avec les enfants, puis j'ai fait comme, laisse-moi mijoter là, tout ça, là, jusque quand je vais être tout seul, puis ça, ben tout seul, avec les 3 filles. Puis là, je vais revenir là-dessus. Puis là, je me suis longtemps questionnée, puis là, je me suis dit, non, j'ai pas le goût d'achaler personne avec ça, j'ai pas le goût de commencer, puis ça. Puis en réfléchissant, je me suis dit, moi, on m'a jamais achalée. En tout cas, je me suis jamais sentie comme ça. Puis après réflexion, c'est en devenant partenaire de marché, je faisais déjà un peu ce que je faisais en tant que VIP, mais c'est juste que là, ça me donnait le droit maintenant de dire « Ah, ben oui, tu pourrais être ma cliente au lieu que j'achète les produits à ta place puis que je te les donne. » Donc, c'est comme ça que ça allait terminer pour moi. Puis, ben pas terminé. Je dirais c'est comme ça que ça a commencé. Et que là, ça se poursuit d'une autre façon que depuis juin, dans le fond, que je suis rendue partenaire de marché. Puis moi, ben avec ma réalité de dire avec les enfants, ben c'est ce que je trouve génial de s'il y a une semaine où je suis plus occupée puis que j'ai moins de temps ou que je peux pas faire les trucs que je voudrais, ben ça me permet après ça de le remettre à la semaine. J'ai pas de pression, j'ai pas un rendement à donner, j'ai pas... je suis juste bien avec mes produits puis que je peux le partager. Alors, moi, c'est mon expérience jusqu'à maintenant avec Mona. Et j'espère que c'est juste un départ. Génial! Merci beaucoup pour ton partage. C'est vraiment le fun, comme j'écrivais justement dans le chat. Les produits parlent d'eux-mêmes, on le dit souvent, mais ton témoignage prouve vraiment que c'est ça. Ça a été la même chose pour moi. J'ai vu l'effet des produits, puis après ça, je le partageais de toute façon. Donc, je suis devenue partenaire. Je pense qu'il y en a beaucoup, que c'est le chemin qu'on prend. Donc, merci, merci. Je suis contente que tu aies eu des beaux résultats. Je suis contente que tu sois parmi nous. Bien, merci. Donc, je vais retourner au PowerPoint pour la section suivante. Et pendant que je fais ça, on a la belle Georgina. Tu peux te démuter si tu veux, qui a quelque chose à nous dire. Salut tout le monde! Merci, merci à vous pour faire cet événement Monaton Ensemble. C'est la seule qu'on a au Québec, puis je suis tellement, tellement fière de vous. On est plusieurs à un moment donné, je pense qu'on était jusqu'à 29. Fait que félicitations, c'est le fun de voir ça. J'ai participé à une coupe des autres qu'on avait en anglais, puis laissez-moi vous dire que je pense que c'est la plus grosse
à ce que je sache, c'est le plus gros événement qu'on a ensemble. Fait que félicitations. J'ai deux petites questions surprises pour vous ce soir. Donc, je vais en faire une tout de suite. Joanie, je sais que tu es en charge du chat. Fait que j'ai quelque chose pour toi. Il faut vraiment que tu regardes le chat pour moi parce que la première personne qui va répondre à ma question correctement va gagner un prix. OK. Fait que la première question... Joanie, s'il vous plaît, laisse-moi savoir c'est qui la première qui va avoir la bonne réponse. Donc, au mois d'octobre, ça va faire combien d'années, ça va être notre anniversaire de combien d'années chez Mona? Notre anniversaire, pardon, au Canada, la note. Il y a déjà beaucoup de réponses. Donc, j'ai des 7. J'ai Josiane 17. Moi, je suis la première à dire 6. Ensuite, on a 8 de Martine. 5. C'est qui la première qui a marqué 5? La première qui a marqué 5, laisse-moi te confirmer, c'est Martine. Martine! Martine, félicitations! Donc, au Canada, ça va faire 5 ans au mois d'octobre. Martine, est-ce que tu es enregistrée pour Mon Nation? Tu peux te démuter pour répondre si tu veux? Oui, je suis déjà enregistrée. Bien, ma belle, je vais donner ton nom à Bethany parce que tu viens juste de d'avoir ton... tu vas te faire rembourser pour... Oui. Yeah, oh my God, merci! Merci beaucoup! Bravo! Donc, je vous laisse la parole pour une autre réponse, puis ça va être la même chose. Il va falloir nous donner la bonne réponse dans le chat. Donc, Joanie, je vais te demander la même chose tantôt. Merci, Michel. Continuez à vous. Et bravo, Martine. Génial! Merci, Georgina! C'est le fun que tu sois parmi nous, puis on est vraiment contents de pouvoir avoir un petit bonnet comme ça. C'est vraiment le fun! Donc, on va passer à la formation. Il va y avoir 3 sujets de formation. Donc, la première à nous présenter, le premier sujet, ça va être Josiane, qui va nous parler du spray protecteur et fixateur fixatif de couleur. Ça se dit fixateur? Je ne suis jamais certaine de la traduction, mais bref, ça va être le premier sujet de formation. Josiane, tu peux te débuter? Oui, bien merci Mélissa. Je suis super contente de vous partager ça. Bon, OK, bien c'est ça, c'est cool. Je vois en même temps le PowerPoint. Parfait. Là, je vais vous dire, moi, je suis bien bonne dans le spontané, mais dans du par cœur, c'est toujours mon petit côté, ma petite bête noire. Fait que là, j'avais comme mes notes de tout ce que je devais faire. Quand je fais des zooms, habituellement, je suis dans mes émotions puis ça sort bien. Mais là, j'étais un petit peu stressée, je dois avouer, ce soir. Bon, premièrement, notre nouveau produit, le spray protecteur fixateur ou fixatif de couleur. On n'est pas certain, mais on va y aller avec fixateur de couleur. Il est conçu pour quoi? Il est conçu vraiment pour venir sceller la cuticule et garder la couleur, en fait, que ce soit une couleur qui est naturelle ou une couleur, parce que c'est quelque chose que je me fais demander, ou une couleur faite par un coloriste ou une coiffeuse ou un coiffeur. Il est vraiment conçu pour venir garder la couleur et la protéger plus longtemps. Non, ce n'est pas un produit miracle qui va garder la couleur parfaite jusqu'à une période de 6 mois à 1 an. Mais si on fait un essai sur une période de 30 jours, en fait, les résultats ont démontré qu'en 30 jours, 100% des participants étaient satisfaits au niveau de la dynamique de leurs cheveux. En fait, la façon dont les cheveux réagissaient au niveau de la brillance et au niveau de la coloration. Donc, 100% des résultats sur une étude de 30 jours de 50 femmes entre 20 et 60 ans. Donc, je pense qu'on peut lui donner sa chance, lui, parce que, tu sais, des fois, on a des nouveaux produits, on n'est pas certain, on ne sait pas s'ils fonctionnent bien, on ne sait pas si on peut lui faire confiance. Je pense qu'on peut lui faire confiance. On n'est jamais déçu avec les nouveaux produits Monat. Donc, vraiment, il peut aider les femmes à garder leur couleur. Comment on l'utilise, celui-là, sur cheveux essorés? Donc, autant sur cheveux secs que cheveux mouillés, mais si on y va avec la routine de base en sortant de la douche, on l'applique sur cheveux essorés et on le dit en deuxième étape. En fait, en réalité, c'est qu'on va appliquer les produits
réparateurs en premier. Donc, exemple, qu'on a un rejuvabise ou un sérum, on va les appliquer en premier et on va l'appliquer en deuxième étape. Cheveux mouillés, cheveux secs, on peut l'appliquer autant avant d'aller à la plage, avant d'aller à la piscine. Donc, c'est vraiment un protège-couleur. Donc, vous sortez dehors, vous allez au soleil, appliquez-le. Il n'alourdit pas les cheveux, il ne rend pas les cheveux gras, il ne rend pas les cheveux affaissés, il va vraiment sécher. C'est sûr que comme tout produit Monaf, on n'en met pas beaucoup. Les quantités, c'est extrêmement concentré. Quels ingrédients qu'on retrouve à l'intérieur? On a nos ingrédients principaux, donc le rejuvénique et le procataline. Faire une petite histoire du rejuvénique, c'est 13 huiles essentielles végétales. En fait, à l'intérieur, on retrouve de l'huile d'olive, des graines de jojoba. C'est vraiment une huile qui vient rehausser, en fait, qui vient régénérer les cellules. Donc, autant au niveau de la peau et les cheveux, on le sait. Mais on en retrouve pour notre produit pour les cheveux et ça donne beaucoup de jeunesse et de résultats de luminosité instantanée. Le procataline, notre produit qui aide au niveau des facteurs environnementaux. Donc, fait avec les extraits de pois, il aide vraiment à tout ce qui est l'aspect des facteurs environnementaux. Et on retrouve aussi notre Fiber Rescue, un nouvel ingrédient, je pense, chez Monat, ça fait pas tellement longtemps qu'on les utilise, peut-être un an ou deux, qui sont conçus pour venir aider, pénétrer jusqu'au cortex. Donc, il est vraiment, vraiment la molécule est assez petite pour se rendre jusqu'au cortex et aider à tout ce qui est au niveau des cassures. Donc, c'est vraiment en même temps d'aider à protéger la couleur, il protège le cheveu aux cassures. Et le Borea Lin Protect, c'est fait à partir de glycérine et d'extrait d'écorce de Picea mariana. C'est pas de la sauce marinara, mais c'est du Picea mariana. c'est haute performance, il absorbe les rayons UV, les radicaux libres et les aide vraiment au niveau de tout ce qui est exposition au niveau du soleil et des facteurs environnementaux. Donc, vraiment, ce produit-là, là, c'est un produit qui est fait pour tout le monde. Si on vous demande, en fait, est-ce qu'il peut être appliqué sur les cheveux qui sont pas colorés, absolument. Il va aider à garder une belle couleur, à garder de la brillance. Il va aider autant aussi à démêler les cheveux. Il y a une belle texture. Au moment de l'appliquer, comme je vous dis, c'est en deuxième étape, après un produit qui est plus traitant. Donc, si on n'applique pas de produit traitant dans nos cheveux, on l'applique à ce moment-là en première étape. Important de faire la comparaison. Souvent, on se fait demander qu'est-ce qui est mieux entre le Restore Leave-In ou le Protège Couleur. Dans le fond, qu'est-ce qui est la différence? Parce qu'avant, on utilisait le Restore Leave-In pour venir faire cet effet-là. C'est vraiment l'application. L'application est en spray versus le Restore Leave-In est en crème, donc plus facile à appliquer. Et du même coup, lui vient encore plus protéger la couleur. L'autre est plus en hydratation. Donc, c'est vraiment la différence des deux. C'est pas le tour. C'est pas une crème solaire, on dit pas, ben, moi je l'appelle notre crème solaire capillaire, mais il n'y a pas de FPS à l'intérieur. C'est vraiment juste un thème plus facile pour faire comprendre les gens que c'est vraiment une protection au niveau du soleil et des facteurs environnementaux. Mais à l'intérieur, il n'y a pas de FPS, par contre, c'est important de le dire. Donc, ça fait pas mal le tour du protecteur de couleur, je pense, Mélissa. Je m'excuse, je parlais dans le vide. J'avais pas réalisé que j'étais sur mute. Merci, Josiane! Donc, merci, Josiane. Oui, c'était super bien expliqué. Donc, je vais te laisser continuer sur le deuxième sujet qui est le parrainage pendant l'été. Si je peux faire un petit retour en arrière sur l'été passé où on pouvait sortir, aller au resto, voir des gens, faire le party. L'année passée, Monat avait fait une initiative qui s'appelait « Un amour d'été » et on était encouragés à faire des événements où on a fait, je ne sais plus Georgina combien de fois on s'est vus, je pense qu'on n'était même plus capable de se voir après dans cette farce. On n'en avait même pas eu trop, le pire c'est qu'on en aurait fait encore, mais on faisait plein d'événements où on invitait les gens à venir prendre un drink avec nous, c'était des super de belles soirées, donc on jasait, on bâtissait des relations avec les gens, puis pendant 10-15 minutes on parlait de Monat, puis après ça on passait à autre chose. On a eu un succès phénoménal avec ça, on a fait de la belle business, on était capable de parrainer, donc ça a prouvé que c'est pas parce que c'est l'été, parce qu'on pense que les gens sont en vacances, qu'il faut arrêter de travailler, qu'il faut... Oui, Joanie? Il y a des filles qui veulent rentrer. Ah oui! Attends. Voilà.
OK, super, merci. Il aurait fallu que j'aille quelqu'un qui, qui fasse ça pour moi pendant que je parle. Mais oui, c'est ça. Ça prouve que c'est pas parce que c'est l'été qu'il faut arrêter de focusser sur notre business si on veut l'avancer à un autre niveau. Les gens cherchent quand même ce qu'on a à offrir, même si c'est l'été. Donc, Josiane va donner quelques trucs pour continuer à être en action au niveau du parrainage cet été. Je trouvais que c'était la personne tout indiquée en ce moment pour parler de parrainage d'une façon parallèle parce qu'elle a un succès incroyable dans son équipe en ce moment. Ils sont en feu, ils ont un momentum d'enfer. Ça recrute par-ci par-là. Ils ont vraiment trouvé une belle façon de transporter ce momentum-là qu'on avait l'année passée avec les événements, mais à le faire virtuellement. Donc, ben voilà, Josiane, je te laisse la parole. Merci, je suis super contente. Honnêtement, c'est le sujet que je voulais le plus faire dans la formation, puis c'est sans contredit la bête noire de la plupart des gens, puis je vous comprends. On a tellement l'impression de, quand on partage l'opportunité, de la partager pour notre portefeuille, mais en réalité, il faut toujours se mettre dans la peau qu'on la partage pour le portefeuille de l'autre personne. La journée où on réalise ça, nos actions, nos discours, notre façon de parler, notre façon de la porter, elle va être complètement différente. Donc oui, en soi, proposer l'opportunité, ça va augmenter ton portefeuille, mais ce qui va encore plus augmenter ton portefeuille, c'est la journée où les personnes dans ton équipe vont elles aussi augmenter leur portefeuille. Donc, de toujours se mettre en mode « je propose l'opportunité pour aider les gens ». Je propose l'opportunité pour aider les gens financièrement. Donc, c'est de se mettre ça en tête et c'est ce qui va faire en sorte que l'opportunité, quand vous allez la proposer, elle va être acceptée d'une façon positive. C'est vraiment important. Bon, premièrement, là, on va se le dire, été, extérieur, vacances. Est-ce qui ici croit que c'est pas un bon moment pour en parler parce que c'est les vacances? Genre, qui ici va se dire en raison, je pense pas, les gens sont en vacances, ça marchera pas. Qui va tomber dans les excuses mode vacances? Je sais pas s'il y en a qui vont lever la main, dire que c'est ce qu'ils croient, que c'est ce qui pourrait se passer. Bon, en ce moment, c'est sûr qu'on n'est pas dans une période de vacances normale. La vie n'est pas normale en ce moment. Autant au niveau de les vacances qui sont différentes, notre été est différente. Les choses ont évolué, les choses ont changé par le COVID, on le sait tous. Et il faut en ce moment se servir du fait que on est dans une situation différente pour aider les gens à évoluer. Été, vacances, pas vacances, il y a façon de proposer l'opportunité et d'arriver à des super beaux résultats parce que les gens sont rendus là, puis il faut le prendre ça, ce qui se passe, et l'apporter pour venir aider les gens à aller chercher un revenu additionnel vers le web, vers des compagnies qui n'auront pas de problématique de fermeture d'employés parce qu'il va y avoir une difficulté. Il faut vraiment aller pousser l'opportunité et en parler de ça. Donc, premièrement, entamer des conversations. À chaque fois que vous rencontrez des gens, que ce soit en vrai ou que ce soit par les réseaux sociaux, soyez alerte à ce qu'il vous dit. Premièrement, on rencontre quelqu'un, on est sociable, on est souriant, c'est important d'aimer les gens, c'est vraiment important de le montrer qu'on aime les gens. Donc, on dit bonjour, on est satisfait. Je vais juste vous allumer ma lumière parce que vous allez commencer à me voir moi. Désolée. Donc, on est satisfait, on aime vraiment, on est accueillant, on est chaleureux, on est des personnes comme ça, c'est important. Soyez attentifs à ce qu'ils vous disent. Donc, si jamais ils vous parlent puis ils vous complimentent, que ce soit pour vos cheveux, que pour votre peau, ben embarquez. Tu sais, on a tendance à faire comme merci, c'est gentil. Ben non, merci. Écoute, depuis que j'utilise les produits Monat, là, ma peau, je l'aime tellement. Depuis que j'utilise les produits, mes cheveux, ma couleur, embarquez, parlez-en. Soyez pas l'impression que c'est tabou, c'est pas un sujet tabou, c'est justement, premièrement, c'est ce qui vous fait votre revenu, deuxièmement, c'est ce qui vous donne votre beauté, votre confiance, c'est les produits.
faut vraiment embarquer dans cette vibe-là puis le partager. Si les gens vous parlent que vous êtes, qu'ils vous voient aller, que vous semblez avoir plus de temps ou que vous travaillez mais que vous avez le temps de partager la business, embarquer dans ça. Oui, j'ai le temps de partager la business parce qu'en réalité, je ne prends pas plus de temps. C'est un temps que je faisais déjà. Soyez pas dans le tabou du sujet à pas vouloir en parler. Embarquez et entamez la conversation. Parlez vraiment, en fait, de ce qui se passe dans votre vie. Puis c'est super important. Si on se cache derrière ça, on n'arrivera pas au même résultat. Là, quand quelqu'un vous aborde pour la business, bon, c'est sûr que c'est plus facile. Mais si, admettons, la personne ne vous aborde pas, mais vous sentez que ça peut être une opportunité pour elle, allez vers elle. Et identifiez c'est quoi ses besoins à cette personne-là. Écoute, Julie, je te connais un petit peu, Julie, puis je sais que tu sais, t'es le genre de fille qui veut vieillir en beauté, en santé, c'est important pour toi. Allez cibler les besoins de la personne. Si c'est le monétaire, si c'est la santé, si c'est le vieillissement, si c'est au niveau d'aider les autres, allez vers les âmes charitables. Les personnes qui vont bien réussir dans l'opportunité d'affaires, c'est les âmes charitables. Allez vers les personnes que vous connaissez qui aiment aider les gens sur tout aspect, que ce soit un aspect. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes dans la business monade qui sont infirmières, policières, des métiers qui sont vers les gens. Donc, n'ayez pas peur d'aller proposer l'opportunité vers ce genre de personnes-là, psychologues, c'est des personnes qui sont à l'écoute des besoins des autres. Et nous, c'est ce qu'on fait. Je le dis toujours aux filles dans mon équipe, on est des psychologues, les filles. Soyez là à l'écoute des gens, de leurs besoins, embarquez, soyez l'oreille attentive, puis trouvez-vous des points en commun avec la personne. C'est tellement important. La personne, en fait, là, ce qu'elle veut, c'est un petit peu une oreille, une amie, que ce soit pour le produit ou pour l'opportunité. Si vous ne créez pas cette relation-là avec la personne, ça va être plus difficile. Parlez aussi de tout ce qu'on a. T'sais, écoute, j'ai mes échantillons. T'aimerais-tu les utiliser? Je peux t'en envoyer des échantillons. Aimerais-tu les utiliser? Et faites des suivis avec ça. Allez vraiment focusser sur nos forces. On a une garantie 30 jours. Même si tu dis, j'ai pas essayé les produits, je me sens pas à l'aise de parler de l'opportunité, ben tu sais quoi? On a une garantie 30 jours. Essaye-les. Si t'es pas satisfait, retourne tes produits. C'est pas grave. Là, je suis peut-être même pas mon plan. Je vais juste tourner la page parce que je t'ai rendu à l'étape suivante. Il y a toujours des solutions. Le quiz beauté peut nous aider à bien cibler autant pour les clients VIP que pour l'opportunité. Les échantillons peuvent nous aider à closer une personne pour l'opportunité pour essayer. Mais moi, la garantie 30 jours m'aide beaucoup plus à closer une personne pour l'opportunité parce que je lui dis toujours, un échantillon, tu ne seras pas satisfaite parce que tu n'as pas un résultat complet avec un échantillon. Tu as besoin d'essayer le produit sur plusieurs lavages pour voir un changement. Pourquoi pas prendre une trousse? Tu as la garantie 30 jours. Tu la retournes. Tout simplement, produit utilisé, au moins tu vas avoir fait l'expérience. Puis, on le sait, nos produits, les coups de cœur sont là. Donc, la plupart du temps, les gens, c'est des surprises qu'ils ont, puis ça fonctionne. Être à l'écoute des gens, c'est super important parce que c'est là-dessus qu'on va aller miser. Si la personne a dit, ah, tu sais, moi, je trouve ça cool, mais j'ai peur de manquer de temps avec mes enfants, bien, au contraire, tu veux être à la maison avec tes enfants, c'est quelque chose que tu aimerais. Pourquoi pas te développer une business sur les réseaux sociaux? Tu passes déjà du temps sur les réseaux sociaux. On est en train de se parler en ce moment sur les réseaux sociaux. Pourquoi pas le faire pour éventuellement passer plus de temps avec tes enfants vraiment? Parce que c'est pas ton 40 heures par semaine, on a appris ça cette semaine dans une formation, c'est pas ton 40 heures par semaine pendant 40 ans de ta vie qui va te donner 40% de ton salaire pour ta retraite qui va t'aider à passer plus de temps avec tes enfants parce que tu vas travailler pendant 40 ans. Peut-être que l'opportunité monade peut t'aider à venir réduire ton temps. Est-ce que c'est quelque chose que tu as envisagé, dans le fond, mettre pour le moment ton aspect réseaux sociaux que tu utilises déjà, l'apprendre et la transformer en business, ça va t'en donner du temps. Être à l'écoute des gens, là, c'est la plus belle solution pour pouvoir partager l'opportunité puis pour pouvoir répondre aux objections. C'est tellement la chose la plus difficile de répondre aux objections parce qu'on a tendance à y aller au cours. On a tendance à avoir une objection puis dire « Ah, t'as raison, je te comprends, tu sais, ben oui, c'est vrai, le temps, tu sais. » Mais non, au contraire, le temps, répondait à l'objection. Pourquoi tu penses que tu... Poser des questions. Pourquoi tu penses que tu pourrais manquer de temps? Tu
sais, si je te compare, dans le fond, puis là, tu regardes sa vie, tu sais, t'as tes enfants, moi aussi, nanana, nanana, j'y arrive parce que je fais ces choix-là, tu sais, répondez aux objections, puis regardez où ça s'arrête. Ensuite, évaluer avec elle sur une échelle de 1 à 10 suite à une discussion 1 à 10, elle se situe où? Si vous voyez qu'elle est plus proche du 1, ben peut-être essayer d'envisager plus de lui proposer le VIP. Si vous voyez qu'elle est plus proche du 10, ben là, l'opportunité peut être intéressante parce que ça y tente, elle est proche du 10. Sachez que moi, une des raisons pourquoi ça fonctionne vraiment, l'opportunité d'affaires, c'est parce que je ne décide pas à la place de la cliente. Quand j'ai une personne qui m'approche, je ne peux pas juger quel est son besoin. Donc, promotion, pas promotion, ce que je propose en premier, c'est l'opportunité. Pourquoi? Parce que l'opportunité, on a 30 % de rabais. Parce que l'opportunité, on est sans engagement, sans achat obligatoire. On n'a pas de flagship obligatoire. On a vraiment une flexibilité avec l'opportunité et en plus de ça, on a une trousse de produits avec beaucoup de rabais. Donc, je suis qui, moi, si la cliente m'accueille avec l'idée d'utiliser le produit, je suis qui, moi, pour choisir que son portefeuille il est pas important puis c'est peut-être l'option de l'opportunité. Je lui propose en premier lieu l'opportunité. Ensuite, suite à sa réaction, je vais aller m'aligner vers le VIP si jamais je vois que, oh, c'est pas ce que je pensais, non, ce serait plus pour les produits. Donc là, c'est mon plan B, c'est le VIP. Le VIP va être très bien accueilli parce que je vais lui avoir partagé quelque chose en premier lieu et ensuite de ça, elle va accueillir le VIP. Si je commence à l'inverse, comment je vais être capable de me rendre à l'opportunité si je commence par le client détail? Ça va être difficile après ça de me rendre à l'opportunité parce qu'elle va passer par le détail, par le VIP, puis elle va arriver à l'opportunité, puis elle va peut-être être mélangée. Donc, moi, ma technique, et ça fonctionne super bien, c'est je propose toujours l'opportunité parce que c'est la personne à choisir si elle désire faire un surplus financier avec ça ou non. C'est pas à moi de le choisir. Et aussi, soyez des cheerleaders. OK? Je vais vous dire ça parce que c'est important. Les personnes, souvent, ils ont besoin juste d'un petit ah ouais, go, fonce, t'es capable, je vais être là pour toi, je suis derrière toi, je vais t'aider, je vais vraiment te bien conseiller, je vais tout ton parcours, je peux faire des meet monat avec toi, je peux faire des événements en ligne avec toi pour t'aider dans tes départs. Soyez cheerleaders et soyez encourageants. Des fois, la personne, c'est juste un petit qu'elle a besoin pour aller de l'avant. Ça y en prend pas gros, mais si elle sent pas votre désir de travailler avec elle, si elle sent pas votre cheerleaders envers elle, elle va peut-être avoir peur. Donc, c'est vraiment important. Ça, c'est mes conseils à moi pour ça. Et dernière étape, faire des suivis. Important de faire un suivi. Quand vous avez parlé de l'opportunité à quelqu'un, faites un suivi. Elle vous a dit, j'y pense, comment on peut faire des suivis sans avoir l'air d'être harcelante? Soyez toujours présente dans sa vie. Commentez ses photos. Allez lui dire un petit coucou. Elle fait une story. Il fait beau chez elle. Waouh, fait beau chez toi. Soyez toujours présente dans son environnement. Et un jour, elle va faire comme, OK, elle est encore là. Go, je me lance. C'est tout. C'est ce que je voulais vous partager concernant l'opportunité. Merci, Josiane. J'ai aimé Audriane qui faisait la cheerleader avec ses pompons dans mon écran. T'avais une cheerleader dans la salle. Donc, yes. Merci beaucoup. C'était vraiment, vraiment inspirant, vraiment le fun, ton partage. J'avais beaucoup de matériel. T'es même allé au-delà de ce qu'on avait là, avec Manon. T'as vraiment mis du tien. On apprécie beaucoup. J'avais des gens qui m'écrivaient dans les messages qui me demandaient si s'enregistrer parce qu'ils voulaient la réécouter comme il faut pour prendre plus de notes. Donc, merci beaucoup. Alors, on va passer à la belle Madaille qui va nous parler de l'intégration des VIP, entre autres. Donc, là, je vais laisser, tantôt j'avais changé puis je montrais plus Josiane parce que c'est plus fun de regarder Josiane avec toute son émotion que de regarder le PowerPoint. Mais pour la partie de Madaille, je vais vous laisser plus le PowerPoint pour suivre les chiffres puis l'information parce qu'il y a plus d'informations à ce niveau-là. Donc, voilà, Madaille, tu peux y aller! Merci, Mel. Merci, Josiane. Moi, j'ai adoré t'écouter aussi.
Là, c'est un petit peu plus technique, cette partie-là. Donc, soyez indulgents, puis lisez, puis suivez, parce que c'est beaucoup de chiffres. Je veux que tout le monde comprenne, d'accord? Donc, mon objectif avec cette partie-là de la formation, c'est de discuter de l'importance de l'intégration, surtout pour les VIP. Nous allons aussi parler du Pochasse Plus et comment tirer le maximum pendant le processus d'intégration d'un VIP. L'intégration, c'est une activité essentielle pour développer votre entreprise parce qu'elle favorise le succès des nouveaux partenaires de marché, mais aide aussi aux VIP à vivre une meilleure expérience Monad. Une expérience positive pour les VIP, ça les rend plus aptes à devenir des clients fidèles ou devenir partenaires de marché, qui sait. Donc, avant de commencer, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez au terme intégration? Si Joanie peut nous aider avec le chat, pouvez-vous nous dire c'est quoi qui vous vient à l'esprit quand vous entendez le mot intégration? Moi, je l'ai. Le début d'une aventure de Émilie. C'est beau ça. L'accompagnement de Mélissa. C'est bien. Donc, c'est des belles réponses. Et pour développer une entreprise solide et durable, n'oubliez pas que l'intégration d'Imonat n'est surtout pas optionnelle. Donc, il faut vraiment aider, que ce soit vos partenaires, que ce soit VIP, il faut les guider, les accompagner pour que ce soit vraiment une belle expérience puis qu'il attire le maximum de toute cette belle aventure. Même si vous êtes familiarisé déjà avec les partenaires de marché, il y a dans notre bureau de partenaires, il y a des excellentes ressources, il y a des documents dans votre entreprise, onglet votre entreprise, puis l'intégration, où vous allez trouver des documents puis des liens vraiment pour vous aider dans toute cette étape-là. L'intégration de VIP est aussi importante, puis c'est l'étape que souvent on ignore. On oublie, on ignore. Donc, repassons les avantages d'inscrire régulièrement des VIP. Une commande régulière de VIP d'environ 125 $ vous donne droit à une commission de 18,75 $. Quand vous inscrivez 4 VIP pendant votre départ intelligent ou dans un même mois, si vous avez déjà fini votre départ intelligent, vous recevez une prime additionnelle de 75 $, ce qui double votre argent. Donc, c'est logique de viser des groupes de 4 clients VIP à chaque mois. Il y a, en plus de ça, il n'y a aucune limite dans le nombre de primes d'acquisition de VIP que vous pouvez recevoir à chaque mois. Donc, que ce soit 8, 12, 16, vous allez avoir vos 75 dans chaque groupe de 4 VIP. En ayant beaucoup de VIP, vous toucherez aussi la prime sur les ventes. Vous pouvez gagner une prime additionnelle de 3% jusqu'au 10%. Ce qui représente un 30 à 350 $ de plus. C'est une excellente prime. Moi, j'adore cet aspect-là de notre système de compensation parce que j'aime ça dire que c'est moi qui décide mon salaire, puis c'est exactement ça. C'est moi qui décide. Moi, je sais que je veux ma prime de 3, de 5 ou de 10, donc je veux la travailler. C'est moi qui va décider mon chèque de chaque mois. Donc, par exemple, 10 VIP qui passent une commande d'une moyenne de 125 $ vous permettent d'atteindre le premier niveau de la prime de vente personnelle de 3%, comme je disais, à chaque mois, si vous le décidez comme ça. Il est clair, c'est important de prendre soin de nos VIP, puis développer une entreprise saludable, je veux dire, comme profitable, qu'elle soit en santé parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients qui sont actifs. La première étape du processus d'intégration d'un VIP, c'est d'établir les attentes au moment de l'inscription. Il est important que les VIP soient informés, qu'ils soient conscients de l'engagement qu'ils ont, les attentes du programme VIP.
ils payent les frais de 24,95 que c'est juste une fois dans la vie qu'ils vont les payer avec leur commande d'inscription. Puis ils s'engagent à passer deux commandes automatiques additionnelles de 110, appelées commandes flagship. Puis moi, j'aime pas utiliser, avec mes VIP, je n'utiliserai pas le mot des commandes automatiques parce que c'est des commandes flexibles. On peut les modifier, on peut les déplacer si jamais ils sont déjà achetés, ceux qu'on avait regardé est venu en spécial, je ne sais pas, ils l'ont déjà fait, on peut toujours les modifier, vous le savez. Ils peuvent, c'est ça, ils peuvent changer les commandes et tout ça, sauf que dans les conditions, ces deux commandes flagship qui les restent à faire ne sont pas des ventes promotionnelles, ça ne compte pas, ou c'est ça, c'est vraiment des commandes flagship, c'est des commandes planifiées. Nous voulons encourager les VIP à passer deux commandes flagship additionnelles. Pourquoi? Du point de vue professionnel, bien sûr, ça veut dire plus de ventes, plus de volume pour nous. Mais du point de vue du client, il verra des meilleurs résultats s'il utilise régulièrement une sélection de nos produits. S'il achète, puis il finit comme il achète juste son shampoing, son revitalisant, puis juste un produit coiffant, on sait que ça va durer longtemps, son shampoing, son revitalisant, son produit coiffant encore plus. Mais est-ce qu'il a tout ce qu'il avait soin pour avoir le maximum de résultats? Non. C'est pour ça que nous, on est là pour les conseiller et les guider pour nous assurer vraiment qu'il va faire ces deux commandes-là dans sa première année, pour nous assurer qu'il va avoir un meilleur résultat. Donc, la commande d'inscription, ça peut inclure un shampoing, un revitalisant, un masque, ou par exemple, si c'est pour les produits de la peau, on peut prendre le nettoyant, l'eau revitalisante, puis la crème hydratante, par exemple. Après ça, l'ajout des produits de préparation, des produits coiffants, des produits de soins de la peau, plus de ciblage, va améliorer son expérience, puis aussi son prix, parce qu'avec notre pourchasse plus, vous savez, plus qu'on achète, plus qu'on a des rabais. Donc, gênez-vous pas pour vraiment proposer aux clients plus de produits, vont être toujours plus avantagés avec ça. Une fois qu'ils s'engagent envers les programmes VIP, ils profitent d'un 15% sur nos produits et ils ont aussi notre article, notre cadeau Only for You. C'est exclusif et gratuit. Ils ont aussi la livraison gratuite avec des commandes de 110 ou plus, une surprise d'anniversaire, des promotions pour les VIP. Et en plus de ça, comme Josiane nous parlait tantôt, la garantie de 30 jours. C'est aussi bon pour les VIP. C'est vraiment un bon outil pour finaliser la vente. Là. La garantie de 30 jours, c'est vraiment les fonds pour eux. Puis ça les garantit qu'ils peuvent essayer sans avoir crainte. Si jamais les produits qu'on choisit, ça ne les va pas, on peut les retourner. Quand vous créez des bonnes bases, l'expérience sera plus simple pour les VIP. Donc, tout commence par la consultation. Vous pouvez utiliser la guide de recommandation que vous la trouvez dans votre bureau aussi virtuel ou les quiz de beauté. J'ai un problème avec ces mots-là. Après ça, aussi, c'est très important de poser des questions et encore plus d'écouter et d'entendre ce qu'ils ont à dire à propos de leurs besoins. Moi, petite parenthèse, avec mon équipe, je fais beaucoup d'emphasis. je parle beaucoup de faire vraiment de l'effort, de vraiment poser plein de questions à vos VIP avant de commencer à les proposer n'importe quoi. Pourquoi? Parce que quand tu poses les questions et tout, les clients ils vont se sentir tout de suite rassurés. Ils vont se sentir importants, en sécurité, tu les écoutes, tu fais attention à eux, plutôt que penser, parce que tu l'as dit trop vite, qu'est-ce qu'ils ont besoin, c'est comme, ah, elle avait juste deux kits pour les cheveux frisés, il m'a donné un. À la place que si tu prends le temps, tout ça, il va avoir vraiment la sensation que tu étais allé vraiment concocter la recette parfaite pour lui et ses besoins. Donc, ça, c'est un truc vraiment pour qu'il se sente à l'aise, bien en sécurité.
Nous voulons les aider à commencer leur parcours en matière de soins capillaires et soins de la peau en leur recommandant un ensemble complet de produits qui retrouvent la meilleure peau ou les meilleurs cheveux qu'ils peuvent avoir. N'ayez pas peur de montrer ou de conseiller tous les produits qui, d'après vous, les conviendraient. Ensuite, demandez-leur les produits qu'ils aimeraient obtenir en premier. Est-ce qu'ils veulent des produits de base seulement? Est-ce qu'ils aimeraient avoir l'ensemble complet? Ou est-ce qu'ils veulent tous les produits qu'on les a proposés? Vous pouvez aussi vérifier leur budget. Est-ce qu'ils pensent dépenser moins de 100 aujourd'hui, environ 100, ou est-ce qu'ils veulent vraiment tout avoir? Il est important de ne pas présumer de connaître leur budget et de décider ce qu'ils pensent qu'ils vont acheter. Votre rôle est vraiment d'informer puis recommander seulement. C'est au client de décider combien il veut dépenser. Et n'oubliez pas de montrer qu'ils peuvent économiser à titre de VIP. Dès le début, avant de voir les pourchasses plus, vous pouvez déjà commencer à les parler en les disant « Regarde la différence avec le prix que vous payerez si vous étiez un client à détail. La différence avec un client VIP, vous économisez tant. » Ça, déjà, il commence à exciter plus les clients. Là, quand il arrive les pourchasses plus, là, c'est le parfait. Donc, leur commande d'inscription peut comprendre, par exemple, 3 produits de base. La première commande flagship peut comprendre l'huile réjuvénique, puis un produit coffin, pourquoi pas. Avec les pourchasses plus, maintenant, c'est beaucoup plus avantageux. Et, la deuxième commande flagship peut comprendre des traitements, des produits coiffants additionnels. Puis là, on vient déjà de planifier ces 3 commandes. Nous voulons les présenter un programme complet de soins capillaires et de soins de la peau qui se poursuit. Donc, on veut pas, les buts, c'est pas de vendre juste une commande, de faire juste une commande. Après ça, c'est quand vous atteignez les montants minimum de pourchasse plus que ça devient plus le fun. La magie opère. Donc, le pourchasse plus est basé sur le montant minimum et s'applique à tous les clients, y compris les clients de taille. Les clients VIP peuvent profiter du pourchasse plus en plus de ce rabais de 15% comme client VIP. Donc, les rabais pourchasse plus, ici on a le tableau. Par exemple, vous atteignez un 15% quand vous atteignez les 152 $ si c'est le prix de détail ou 129 minimum pour les VIP. Là, les 15% de pourchasse plus en bac. Les 20% c'est quand vous atteignez les 200 les clients à détail ou les 170 pour les VIP et les 25% quand vous atteignez les 330 ou 281 comme client VIP. Mélissa, est-ce que tu peux passer l'autre? Oui, c'est ça. Ici, on a plusieurs exemples que Monat nous propose. Tu peux passer encore l'autre. Oui, exactement. C'est la même chose qu'on voyait en haut, mais ici, on peut voir exactement combien qu'on économise. Dans le cas du 15%, vraiment 19 $, 19,35. Les 20%, on va économiser 35,80. Puis, au 25, c'est vraiment des 70 $ et plus qu'on va aller économiser. La prochaine. C'est ça. On a des exemples. Quand on choisit 3 produits, on dit que c'est le chiffre magique pour avoir accès à notre rabais pour chasse plus. Donc, mettons qu'on choisit les shampoings, les revitalisants, les réjuvavides, on payerait 171 au prix de détail. Mais avec les rabais de VIP, c'est juste 145. Plus les rabais pour chasse plus, ça revient à 123. Donc, c'est vraiment, si vous les décortiquez comme ça aux clients, là, ils font comme, oh, encore de rabais. Donc, c'est vraiment, vraiment le fun. On a les prochains. Ça va aller à 4. Si on choisit 4 produits, on payerait 214 au prix de détail. Mais comme vous êtes VIP,
oh là là, ça vous coûte 181 seulement. Mais avec les pourchasses plus, ça arrive à 145 pour 5 produits. Si c'est un client VIP en plus, à son cadeau Only for You. Et on a le dernier. Vise 5. Donc, là, c'est vraiment la totale. Là, c'est l'économie au plus grand. Donc, des 343 qui ça nous reviennent après tous nos rabais, ça revient vraiment à 218. Puis, on a même l'huile rejuvenique tout dedans. Donc, des grosses économies. Amusez-vous avec votre panier. Ça, c'est une des importances de... Je m'en venais à vous le dire, là. Mais c'est très important de montrer à vos clients comment aller vraiment dans son compte. Toutes ces fonds que nous, on a quand on voit ça, eux, seront plus heureux encore s'ils les voient d'eux-mêmes. Oh my God, ils essayent, puis là, ils achètent encore plus. Donc, l'inscription. Il est impératif que les clients comprennent les paramètres du programme, c'est ça. À quoi s'engage, même s'ils s'inscrivent dans une vente flash, dans une promotion, que ce soit une inscription ordinaire, il faut qu'ils comprennent vraiment à quoi ils s'engagent comme client VIP. Il y a trois façons d'inscrire. Une, c'est partager votre lien de partenaire de marché, de votre lien personnel. Vous pouvez aussi le faire à partir de l'application Connect. Vous pouvez aussi, une autre option, c'est ajouter des produits dans le panier puis l'envoyer avec l'option sauvegarde. Quand vous allez voir, quand vous inscrivez un client VIP, vous allez inscrire, vous mettez les produits dans le panier. Puis là, quand vous faites sauvegarder, il va vous demander un courriel. C'est là que vous mettez le courriel du client, puis lui, il va le recevoir pour finaliser la commande lui-même. Ou sinon, vous pouvez aussi prévoir un appel Zoom pour passer toute l'étape, tous les processus d'inscription avec les clients. Peu importe l'option que vous choisissez, il est vraiment important que ce soit le client qui rend ses renseignements personnels lui-même. En plus de protéger ses informations personnelles, c'est aussi plus pratique pour quand votre entreprise va continuer de grandir. Par exemple, si un client VIP songe à la possibilité de devenir partenaire dans le futur, il pourrait changer d'avis simplement parce que il peut penser que, oh mon Dieu, je dois avoir toutes les informations des clients. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, avoir cette responsabilité-là, d'avoir les infos des autres, d'avoir les cartes de crédit et tout ça. Donc, si vous le faites déjà avec vos clients, s'ils songent à devenir partenaires de marché, mais ils vont voir que c'est facile, qu'ils n'ont pas à faire ça, ils vont vous copier, ils vont dupliquer qu'est-ce que vous faites déjà. Donc, pour les commandes flagship, c'est ça, il faut les guider, il faut les apprendre, il faut les aider. Dès le début, montrer à vos VIP comment gérer leur propre compte. Cela va permettre de vous concentrer dans la recommandation des produits, dans le partage de l'opportunité d'une façon plus efficace et plus le fun. Assurez-vous qu'ils connaissent les identifiants, ces codes, puis ces mots de passe. Expliquez-leur bien pour ne pas bloquer son compte dès le début. S'il y a une majuscule, mettez lui, vous mettez la majuscule, mais ensuite mettez la L, c'est vraiment majuscule. Pour vrai, on les laisse comme si c'est logique, mais des fois, c'est pas logique. Donc là, on va l'expliquer bien comme il faut. On va s'assurer qu'ils ont ces codes. Montrez-leur la page VIP. Montrez-leur vraiment leur site. Comment modifier une commande, je vous l'ai dit pour expérience propre. Quand un client réussit à s'amuser lui-même dans le site, ça va acheter tous les mois, je vous l'ai dit. S'il doit prendre le temps de te parler, puis te demander, puis qu'est-ce que tu me conseilles, je ne sais pas quoi faire, là, ça va être plus long. Mais si eux, ils achètent tout seuls, c'est la vie. Avoir une entreprise axée sur les clients VIP, c'est très avantageux. C'est là, ça favorise la stabilité, la constance, la durabilité. Donc, prenons soin de nos VIP. De plus, vous aurez des clients fidèles qui passent régulièrement des commandes, qui recommandent les produits, qui vous recommandent vous, qui recommandent
qu'est-ce que eux aiment, ils vont les recommander aux autres. C'est vraiment un gros impact sur vos revenus. Comme leur indique leur nom, nos VIP sont des personnes très importantes. Une grande partie de nos revenus provient de nos plus d'un million de clients VIP. Beaucoup de notre succès est dû à des clients fidèles de longue durée. C'est à nous, en tant que partenaire de marché, de leur offrir la meilleure expérience monnaie possible, et ça à chaque étape. Et voilà pour ma partie à moi. Merci, Madai! Bravo, Madai! Oui, bravo! Il y avait beaucoup de chiffres, beaucoup de contenu, beaucoup, de, ouais. beaucoup d'informations. Essayez de vous animer ça un petit peu, là, mais c'est ça, c'est des chiffres. Mais oui, je comprends. Écoute, n'importe qui aurait fait aurait eu de la misère avec... il me semble que même moi, je regardais les chiffres et je voyais de même. J'avais de la misère à suivre juste en pesant sur le bouton. Donc, bravo! Mais il faut en parler de ce merveilleux programme Purchase Plus parce que souvent, on attend les promos. On est habitué comme ça parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de promos. Mais pour vrai, moi, j'arrête pas de le dire à mes clients. Puis, je vends presque beaucoup plus, en fait, pas presque. Je vends beaucoup plus à prix régulier qu'en promo maintenant parce que je leur dis toujours, il y a une promo à tous les jours. Fais juste me dire, moi, je les aide à faire leur panier ou, tu sais, juste pour m'assurer. Ils peuvent aller le faire tout seul, mais je dis, allez avec moi voir parce que, tu sais, souvent, des fois, ils veulent pas aller faire trois, quatre tentatives. Puis, là, je leur donne le prix. Tu sais, quand ils l'expliquent combien ça coûte, ils sont comme, ah, ben là, je vais rajouter l'huile de bord. Tu sais, ça me revient juste à ce prix-là. Donc, c'est ça. Moi, je leur dis toujours, s'ils me posent la question, parce qu'il y en a qui sont clients depuis 2 ans et demi, ils sont comme, ah, t'as-tu une promo maintenant? Je dis, mais c'est pas grave, t'as pas besoin d'attendre la promo. Je peux peut-être, tu sais, dis-moi ce que tu veux, on va voir si on peut t'obtenir un rabais, parce qu'il y a des rabais à tous les jours. Ah, ben oui, vas-y. Puis là, ils commencent, finalement, quand ils voient le total. Fait que. Pour ajouter à toi, souvent, les promotions, ça revient plus cher que le Purchase Plus. Parce qu'on doit dépenser plus à cause que tu vas recevoir. Oui, je comprends que les produits ont une grande valeur. Souvent, dans les promotions, comme exemple, dernièrement, on avait les 30 secondes miracles avec le nectar pour 75. Je comprends que les deux produits ont une grande valeur, mais ça force la personne à se rendre à acheter le 30 secondes miracle qu'elle n'aurait peut-être pas voulu. Donc, en proposant le Purchase Plus, toujours, à tout moment, en tout temps dans le mois, on s'assure de proposer des bons produits pour elles. Ils vont être satisfaits de ce qu'ils vont avoir acheté parce que ça va être adapté à leurs besoins. Ça va leur revenir peut-être moins cher qu'une promotion où les produits ne sont pas nécessairement adaptés à leurs besoins. Ça, c'est super important. Voilà. Puis, en plus que, on va se le dire, parce que là, c'est un événement de partenaire de marché, ça donne plus de PV acheté au prix régulier. Oui. Donc, plus de points et plus de volume commissionnable. Donc, notre paye est différente. Quand on vend plus à prix régulier, nos chèques du vendredi sont plus hauts que si on vend juste des promos. Donc, il y a plusieurs avantages, il y a plusieurs façons de faire sa business. Je ne dis pas de ne pas vendre les promos, ils sont là. C'est des outils incroyables pour notre business. Il faut savoir se servir de tout. Tout ce que je veux dire, c'est qu'un équilibre est souhaitable. Il faut comprendre les outils puis il faut juste savoir les utiliser. Maintenant, avant de conclure, je vais passer la parole à Georgina. Elle a une autre petite question pour nous. Une question quiz. Oui! Mais premièrement, je veux juste vous dire merci encore. C'est vraiment un événement très, très, très informatif. Vous connaissez qu'est-ce que vous présentez, puis vraiment, c'est une super belle présentation. Puis juste pour dire, oui, Mélissa, c'est vrai qu'on a... il y a tout le temps quelque chose qui est en spécial à chaque jour. Fait qu'il faut vraiment promouvoir notre achat plus. C'est vraiment un outil là fantastique. Donc, merci à tous ceux qui ont donné des témoignages, tous ceux qui ont donné des informations, tous ceux qui ont fait des présentations. Merci dans le chat. Vous êtes vraiment des cheerleaders, comme on disait au début. Donc, bravo tout le monde. Donc, j'ai une autre question. Donc, Joannie, je vais compter sur toi pour le chat. OK. Donc, la deuxième question. Je vais vous donner un indice aussi pour la réponse. La réponse n'est pas un chiffre. OK? Qu'est-ce que vous recevez lorsque vous atteignez le titre de mentor de marché associé, MMA? Qu'est-ce qui se passe quand vous atteignez ce rang-là? Mmh.
Donc, on a on the spot, prime de génération, génération 5, porte-clés, succès. Clairement, Martine a une bonne réponse encore. Voyage, épinglette, spotlight, motor club. OK. Donc, la bonne réponse, c'est spotlight. Donc, c'est qui a... Mais c'est Marie-Josée, pour c'est vrai, Marie-Josée. Qui l'a eu. Oui, parce qu'elle a dit « on the spot », mais je sais qu'elle voulait dire le spotlight. Puis moi, j'ai pris son cue, puis je l'ai écrit spotlight, pour vrai, fait que c'est pas moi. Donc, félicitations, Marie-Josée, tu t'es mérité un coupon de 50 $ pour Monat Gear. Ah! Oui! Voilà! Écoute, pour nos deux gagnantes, pour Martine et Marie-Josée, j'ai besoin, dans mon courriel, s'il vous plaît, je vais vous écrire mon courriel si vous ne l'avez pas, j'ai besoin de votre nom au complet, je le connais, mais je l'ai besoin pour l'envoyer, votre nom au complet, votre courriel et votre numéro de partenaire de marché. Si vous pouvez m'envoyer ça par courriel, je vais vous le donner dans le chat. Et puis, Bethany va vous envoyer vos prix. C'est hot! Merci! Avoir su, je me serais grouillée plus vite dans cette chose. C'est pour ça que c'était des questions surprises. Donc, la première, c'est vraiment fait que pour l'enregistration pour Monat Impact Week pour Monation. Donc, Martine a assez mérité ça, l'enregistration. Et Marie-Josée, c'est un code promo de 50 $ pour Monat Gear. Donc, félicitations les filles. Je veux juste vous dire aussi, Mélissa, t'as dit tantôt, que l'année passée, on a fait tellement d'événements, un amour d'été, puis on a tellement eu de plaisir. Je ne peux pas en dire plus, mais soyez à l'affût pour les informations, pour que c'est quelque chose qui va se passer au mois d'août. Donc, on va continuer ça. Continuez à faire vos Meet Monat. Vraiment, on était 29, comme j'ai dit tantôt à un moment donné. Là. C'est le plus gros Monat ensemble que j'ai vu jusqu'à date. Je sais qu'on en avait juste 20 à travers le Canada. Puis comme tu disais, je pense que c'est Josiane qui disait tantôt, tu sais, il a tellement dit ouais, mais tout le monde est en vacances, tout le monde est ici, tout le monde est parti, c'est pas une excuse. Regardez, ce soir, vous êtes en grand nombre, vous avez vraiment pris le temps d'être ensemble, de faire la formation. Il y a jamais un mauvais temps de faire de la prospection, de faire un monaton ensemble, un événement, n'importe quoi, un appel à trois. Donc juste vraiment, pour merci. Dire comment Jen était présentement en vacances, puis elle s'est connectée avec nous c'est pour ça, faire absolument, ça. Oui, oui. Donc, bravo à tout le monde. On est vraiment fiers de vous. Félicitations encore à nos deux gagnantes. Et puis, merci de m'avoir invité sur votre marathon ensemble. Je vous souhaite une super bonne soirée. Merci. Bye. Merci d'avoir été parmi nous. Je voulais juste répondre à une question avant de dire bye à tout le monde. Il y a quelqu'un qui a demandé c'était quoi un spotlight? Le spotlight, c'est un document, en fait, un deux pages, c'est une page complète, là, recto verso, avec qui promouvoit la personne qui devient MMA ou AMM, dépendamment si c'est en anglais ou en français. C'est comme son petit dépliant qui raconte son histoire avec des belles photos. Puis c'est vraiment un super, c'est comme une méga grosse carte d'affaires prestigieuse que Monat fait pour nous. Il nous envoie, je pense, quelques éditions imprimées, puis après on a la version PDF, puis on peut la faire réimprimer autant de fois qu'on veut par nous-mêmes. Donc voilà, c'est ça un spotlight. C'est super. Est-ce que ça se fait encore, Mélissa? J'ai jamais eu courriel pour le mien, je l'ai jamais fait. Moi non plus. Moi non plus, justement, c'est pour ça que ça. OK, donc, je vais vous donner les informations. Donc, quand vous faites le titre de AMM, MMA, whatever, donc à la fin du mois, mettons que vous le faites au mois de juillet, oui, on va faire la reconnaissance, on sait que vous avez fait votre MMA, mais les commissions, ils ferment le 15 du mois prochain. Donc, si vous avez quelqu'un ou vous-même qui faites le titre de AMM, par le 15 août, les commissions vont fermer. Donc, le 16, vous allez recevoir un courriel. Okay, donc, Émilie, ici, qui était sur l'appel, a fait AMM, mettons, au mois de juin, le 16 du mois de juillet, elle aurait dû recevoir. Ah, elle dit, je l'ai reçu le 16 juillet. OK. Parfait. Donc, mais regardez dans vos indésirables, parce qu'il y en a tellement de courriels de ceux-là, du spotlight, pour une raison ou une autre, qui vont à vos indésirables. Donc, vraiment, payez attention, parce que vous avez une date limite pour remettre, c'est une photo qu'on veut, une photo de vous avec votre histoire. Donc, là, on l'envoie à tout le monde. Donc, vous êtes dans les reconnaissances du mois prochain aussi. Donc, c'est ça. Vous avez... Merci, Marie-Josée. Je vais juste avoir ton courriel. Donc, c'est ça. N'oubliez pas. Donc, c'est le 16 du mois après que vous l'avez atteint que vous allez recevoir le courriel. C'est vraiment important de remplir les informations.
Je pense que ma date est échue. C'était au mois de décembre 2018. Oui. Oui. Et moi, c'est en mai. Est-ce que c'est déjà... Oui, je pense que vous avez 30 jours, 30 ou 45 jours à faire. J'ai perdu. Jursi, tu vas pouvoir le faire. Jursi a fait son AMM le mois passé. Oui. Bravo! On va chercher ça. Fait que, ben, merci tout le monde. Merci. Oui, merci pour les infos, Georgina. Puis à bientôt tout le monde. Bye. 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 Bye.